Bibou. Si seulement j'avais pas cassé le micro sans faire exprès. Attendez, il y a un bouton. Peut-être qu'il s'est simplement éteint quand je l'ai laissé tomber. Hey-oh! Ouais, il remarche. Hé, hey, Sorceline, tu veux entendre ce que c'est qu'un vrai concert? Les papinis, récupérez-moi ce micro! Yo-yo! Voilà, il est temps de remettre ce micro à sa place. Cool, caméléon. Le concert de Jimmy ne va pas être annulé, finalement. Pyjamasque, on crie hourra. C'est des nuits, on a réglé les tracas. Je n'arrivais pas à choisir entre mes deux meilleurs amis. Alors prenez chacun un ticket. Si quelqu'un doit s'en priver, c'est moi. C'est hors de question, Sacha. Allez, s'il te plaît, reprends ton billet. Non, prends le mien. Vous voulez vous débarrasser de vos places pour Jimmy Michael? Mais je croyais que vous en vouliez tous une. D'ailleurs, je peux peut-être vous arranger ça. Tenez. Mais je croyais que le concert était complet. C'est vrai. Ce billet devait récompenser la personne qui rapporterait le micro. Mais on ne sait pas qui s'en est chargé. Alors tenez, je vous l'offre. Merci beaucoup. On dirait que ce billet a terminé entre de bonnes mains, finalement. Ouais, ouais. Sorceline encore? Nom d'un hibou déplumé. Je dois prévenir Yo-Yo et Glu-Glu. Non, Piou-Piou, toi reste ici et mange. Je reviens très vite. Je viens de repérer Sorceline sur l'écran Hibou Vision là-haut. Elle est ici. Très bien, allons-y, on y va. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est un bol de nourriture pour Piou-Piou. Elle avait l'air vraiment affamée tout à l'heure. Tu devrais peut-être lui apporter. Oui, je vais le faire, mais là tout de suite, il faut régler le problème Sorceline. Elle a carrément oublié de te nourrir. Ça, c'est pas gentil. Bien, allez, vas-y. Fais bien comme je t'ai appris. Pendant ce temps, je fais diversion pour que les super zéros quittent leur QG. Essayez de m'attraper, les pyjamas. QG. Il est simplement transformé en aimant lunaire géant. Avec le champ magnétique, toutes les portes sont fermées. Et bientôt, il va attirer la ville entière grâce à une petite tourterelle et tout sera à moi. Quoi? C'est Piou-Piou qui t'a aidé à faire tout ça? Non, c'est impossible. Eh bien si, Bibou, cervelle d'oiseau, tu t'es tellement mal occupé d'elle que je l'ai vite convaincue de mettre mes cristaux lunaires dans votre QG. Et maintenant que votre repère est à moi, tu peux reprendre ton pied. Je ne comprends pas. Pourquoi Piou-Piou me laisse tomber pour Sorceline? C'est peut-être parce que tu n'as pas assez pris soin de ton oiseau. Alors tout est de ma faute. Si je l'avais dressée et nourrie, si j'avais fait plus attention à elle, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh, Piou-Piou, si jamais tu m'entends, je suis vraiment désolée. Un animal, ça ne sert pas qu'à s'amuser. J'aurais dû mieux m'occuper de toi. Mais je vais tout arranger. Oui, c'est l'heure d'être un vrai héros. Alors j'ai bien l'intention de... Regardez là. Espèce de... De papy nul. Oh, salut vous. Vous voulez nous suivre aussi? Nous, ça nous ferait plaisir que vous veniez. Ouais, je vous promets que je serai gentille avec vous. Non, 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 non. Maintenant, je n'ai plus personne pour m'aider. C'est pas juste du tout. Regardez, ça me fait de la peine de voir Sorceline comme ça. Désolé les papinuits, c'est la dernière fois que j'essaye de vous remplacer. Vous n'allez pas me laisser, vous, au moins. Oh. On est presque arrivés, les papillons. Pi,
Ninja Mask, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Greg, Amaya, regardez! Si je fais tout doucement et que je suis gentille avec eux... Cool, hein? Ils sont vraiment pourris, ces papillons. Hé, fais attention. Quoi, je vous ai bousculé? Hé, hein? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, je déteste qu'on me fasse des chatouilles. C'est les papillons que tu as trop bousculés, Cameron. Essaye d'être gentil. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, tu te fais des nouveaux copains papillons. Hé, hey, c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt cool, en fait, ces papillons. Un ninja zouave, ça veut dire que Ninjaka est derrière tout ça. On ne sait pas, Yo-Yo, pas forcément. Un ninja zouave! Oui, mais c'est un ninja zouave modèle réduit. Ouais, il est tout rikiki. Et il est plutôt mimi. Il peut pas être mignon. C'est un ninja zouave. Il a l'air effrayé en tout cas. Tout va bien, n'aie pas peur. Tu crois qu'il veut nous dire quoi? Je ne sais pas, il a peut-être besoin d'aide. S'il a des ennuis, on devrait l'aider. Non, à tous les coups, c'est Ninjaka qui l'envoie. T'as oublié ce qu'il a fait à mon bureau? Mais on dirait qu'il est perdu. Il s'est peut-être perdu à l'école et il nous a suivis ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es vraiment perdu? Il comprend pas ce que tu dis, Yo-Yo. Ou alors, c'est un piège. Ça sert à rien d'essayer de lui parler. Il faut le faire sortir d'ici. Oh, on dirait qu'il t'aime bien, Sacha. Non, allez. Ouf. Écoute, il faut que tu t'en ailles maintenant. Hé, arrête, on joue pas à chat, là. Je veux la voir. Yo-Yo, sers-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit. Comme ça, à deux, on soulèvera Gluglu. D'accord, dépêchez-vous. À trois. Un, deux... Pas si vite, Yo-Yo. Je suis résistant, mais je suis pas non plus en caoutchouc. Refaisons un essai, mais ne te précipite pas. D'accord. Maintenant, il faut qu'on soit synchronisés. Un, deux... Et à trois, mes étoiles collantes sont là. Oh, il triche, le vilain. Ne t'en fais pas, on est encore dans la course. À trois, un, deux, trois. Un, deux. Quoi? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause. Tu avais raison, on va gagner. Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres. Allez, venez. Yo-Yo, on a failli perdre. Mais c'est tout le contraire, on a gagné. Oui, dommage pour toi, Ninja Canaille. Oh, tout ça, c'est de votre faute, les ninjas zouaves. Très bien, une course a été gagnée par Ninja Canaille et une autre course a été gagnée par les Pyjaminus. Alors,
Celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe. On n'a pas le droit de perdre. Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant. Bonne nouvelle, je vais participer à la course. Yo-Yo, laisse-moi prendre le bulldozer sauteur et moi je pourrai arrêter Roméo. Non, Glu-Glu, y a que moi. Yo-Yo. Ok. Si tu veux pas que j'utilise le bulldozer sauteur, je vais prendre le propulseur à la place. Non, Glu-Glu, fais attention. Le propulseur peut vraiment être dangereux. J'aurais dû le laisser utiliser le bulldo sauteur. Yo-Yo, au secours. Ne t'inquiète pas, Bibou, je vais te sortir de là. C'était pas facile à ah. Enfin, j'ai mon propulseur. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Bon, par quoi je commence? Mon rouleau à mort, vous? Les crabouilles doigts? Oh non, comme prévu, je vais utiliser le vapoprout. Je suis vraiment le meilleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, hey, j'ai une idée. T'es sérieux, Yo-Yo? Tu veux vraiment remettre ça avec le bulldo sauteur? Non, je sais que Glu-Glu s'en sert mieux que moi. Et comme c'est l'heure d'être un vrai héros, je lui laisse ma place. Cool, caméléon! Saute, Yo-Yo! On va y aller ensemble! C'est parti! C'est quoi ça? Salut, je m'appelle Rebecca. Qu'est-ce qui te prend d'être sympa avec les pyjaminus? Mais ils ont l'air si gentils. Ceci est ma dernière création. Un robot. Tout nouveau, tout beau. Et surtout amélioré pour m'aider à devenir un méchant encore plus méchant. Dis-nous où tu as mis les jeux que tu as volés au parc. C'était pas moi. Pourquoi tu lui demandes pas à lui? Cet engin se fabrique un copain avec les jeux qui ont disparu du parc. C'est là qu'ils sont passés. Ton ancien robot est en train de construire un nouveau robot? Pourquoi est-ce qu'il voudrait en faire un troisième? J'en sais rien, il doit avoir un boulon qui a sauté parce qu'il n'écoute plus un mot de ce que je lui dis. Ça m'a tout l'air d'être une mission pour Maître Fang et Judo Kador. C'est parti! Mais... Par les pouvoirs du coup de poing crocheté de Maître Fang, je t'ordonne de t'arrêter! À moins que tu veuilles tâter de mon redoutable coup de pied circulaire de la terreur. Glu-Glu? J'aurais dû m'échauffer un peu avant. Tu as plutôt intérêt à nous rendre les jeux que tu as pris au parc. Négatif, ce robot est mon nouveau meilleur ami. Kador, il prend la fuite! En avant, Maître Fang! Les garçons, attendez, ralentissez! Je peux voler au-dessus des immeubles et faire le guetteur si vous voulez. Maître Fang et Judo Kador n'ont pas besoin d'un guetteur. On est les as des arts martiaux. Aïe! Ouais, on est pareil pour tout affronter. Désolé. Aucun problème. Yeah! Mais je fais quoi, moi? Par les écailles! J'étais pas parée pour ça. Moi non plus. Mais il faut bien plus que des poubelles qui roulent pour arrêter Judo Kador. Il est passé où, le robot? Il est parti vers le parc. Très bien. Au chabolide. Il faut que tu remontes sur l'aérolune pour aider Yo-Yo. Encore? Mais je ne suis pas douée pour ça. Tu le saurais si tu restais dessus au lieu de paniquer à chaque fois et de redescendre. Il faut que tu essayes pour de vrai. Je sais que tu peux y arriver. Yo-Yo! C'est vrai, Bibou. Tu as raison. Il faut au moins que j'essaye de le sauver. C'est l'heure d'être un vrai héros. Glu-Glu, reptilien, camouflage! Où a bien pu passer ce lézard gluant? Mais comment? Hé, merci, c'est le mien.
Oui, Papy Nuit. Laissez-moi partir, bande de Super Zéro. C'est terminé, Sorceline. Ouais, on a ton aérolune. Tu ne pourras plus voler aucun cadeau. Oh. Ce n'est pas juste, je n'ai jamais droit à un vrai Noël. Je le fais toujours toute seule. Quoi? Tu n'as personne avec qui passer Noël? Mais c'est drôlement triste. Hé, pourquoi tu le passerais pas avec nous cette année? Avec vous? Oui, il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin. Viens nous aider. Et ensuite, on fêtera Noël ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'ils ne veulent plus que tu sois leur chef? Ouais, moi je serais un meilleur chef que toi. On jouerait, on ferait les foufous, on s'amuserait quoi. Ridicule. Quoi? On dirait qu'ils ont décidé de changer de camp. Cool. Oh les vilains ninja zouaves, c'est pas beau. Je vais bientôt revenir récupérer mon char et vous me le payerez. Vous me le payerez cher. Vraiment trop mignon. On va bien rigoler. Super. Mais avant de rigoler, on devrait peut-être mettre ça à l'abri quelque part. C'est trop lourd. Je m'en occupe avec mes glu-glu méga muscles. Attends, ce serait plus drôle si mes ninja zouaves s'en chargeaient. D'ailleurs, je vais les appeler Bibou Zouave. Qu'est-ce que vous en dites, les Bibou Zouaves? Ils veulent me porter. C'est parti, les bibouzouaves. Allez. C'est chouette d'être chef. C'est peut-être chouette, mais pendant ce temps-là, on tourne en rond, Bibou. Oh, laisse-moi d'abord en profiter un peu. En avant, mes bibouzouaves. Bibou, Ninjaka pourrait revenir d'une minute à l'autre. Ok. Bibouzouave, direction le musée. Les bibouzouaves, stop! Je vous ordonne de vous arrêter! Oh! Oh, désolée, je ne voulais pas vous gronder. Faut se dépêcher, Ninjaka va sûrement arriver. On devrait cacher le char dans un endroit sûr. Derrière ces caisses! Attends, j'ai envie d'essayer un truc marrant. Bibouzouave, au pas! Comme ça! Et ensuite, vous saluez votre chef. Pas comme ça. Oh, pousse-toi de là, le chat. Je n'y vois rien. J'aime pas les chats. Je déteste les chats. Vite, avant que Roméo répare le ptérodactyle. On va le prendre par surprise. Et moi, tu ne vas pas t'excuser de m'avoir surprise au musée tout à l'heure? Ah, Bibou, je me suis déjà excusée. C'était juste une mauvaise blague. Bien, alors je vais attraper Roméo toute seule. Oh non! Bibou! Il faut qu'on saute avant qu'il décolle. Prêt? 3, 2, 1... Non! Attends! Yo-yo acrobasso! Ouais! Je te tiens, Roméo! Ça. Et toi, pourquoi t'as fait ça? À cause de toi, Roméo s'est échappé. Non, il s'est échappé parce que t'es parti en colère contre moi. Parce que tu m'as fait peur au musée. Ah. Oh là là! Alors, les pyjamasques, on se chamaille? Vous voulez dans les plumes? Yo-yo, méga bon! L'incroyable Yo-Yo a réussi à attraper l'horrible queue du monstrueux dinosaure. Oh. Tu peux toujours t'accrocher, sac à puce, je vais te faire lâcher. Oh, je ferais mieux de l'aider. Bibou, aide de la nuit. Quoi? Non!
Alors si vous voulez la récupérer en un seul morceau, vous feriez mieux de me laisser passer. Oh, maudite sorceline. Oh. Ah, mais qui est-ce qui pilote ce truc? C'est moi. Joli travail, Glu-Glu. Yo-Yo, toi, va aider Bibou. Moi, je me charge de sorceline. Allez-vous-en, allez du balai. Cette fois, c'est fini. Vous l'aurez voulu, Pyjaminus. Dites adieu à votre Zoézap chérie. Yo-Yo, acrobation. Minus. Ha, ha, je crois que tu oublies quelqu'un. Ah, oh, laisse-moi sortir, espèce de lézard gluant. Pas avant d'avoir fermé la passerelle de décollage pour sécuriser le QG. Maintenant, je veux bien te laisser sortir. Hourra! J'en reviens pas de m'être fait avoir par cette tête de tétard. C'est vraiment pas juste. Super éternuement ou pas, Glu-Glu nous sort du pétrin. Même sans sortir du QG. Ah. Allez, venez, Papy Nuit. La prochaine fois, vous ne pourrez pas m'arrêter. Les pyjamas chanchouses. Les pyjamasques ont crié hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Maintenant, la parabole. Ça, c'est du bon travail, tête de tétard. À toi, Super Zéro. Apporte-moi ma nouvelle Roméo commande à rayon. Par mes oreilles de chat. Merci, sac à puce. Pour un peu, tu commençais presque à me plaire. Sautez, les pyjaminus. C'est plutôt rigolo, mais je voulais vous faire faire des grands bonds, pas sautiller. Il faut encore que je règle quelques petits détails. Bibou, saute au-dessus du labo et descends par la trappe pour lui prendre sa télécommande. Et toi, Glu-Glu, essaye d'atteindre le haut de l'antenne pour faire tomber la parabole. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pas parce que c'est toi le chef d'équipe que tes idées sont forcément les meilleures. Et on voit ce que ça a donné quand c'est toi qui commandes. Mais... Oh, si seulement je pouvais arrêter de sauter, c'est vraiment pénible d'être commandé. Attendez, mais c'est ce que je faisais avec vous. Sans tenir compte de vos idées, à cause de moi, Roméo va bientôt contrôler tout le monde. T'inquiète pas, on va trouver une parade. Ouais, un bon chef ne doit pas juste être là pour donner des ordres, mais aussi pour écouter. C'est l'heure d'être un vrai héros et d'écouter vos idées. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? On laisse Roméo te contrôler? Comme ça, tu peux le distraire pendant qu'on s'occupe de l'antenne et de la parabole. Super, suivons votre plan. Réglé. Maintenant, vous allez tous sauter. Ok, fini de jouer. Je vais sur la place de la ville où le signal de ma télécommande pourra atteindre tout le monde. Et n'essayez pas de me suivre ou je reprendrai le contrôle sur vous. Hé, hey, Roméo, je suis l'incontrôlable Yo-Yo et je vais te barrer la route. Dans tes rêves, pyjaminet. Et puisque tu crois pouvoir m'arrêter, je vais t'emmener avec moi et tu verras comment je deviens le maître du monde. Allez, danse, qu'on rigole, danse. Suis-moi. Allez, faites-la basculer, exécution. Non, ne faites pas ça, je vous en prie, arrêtez. Accroche-toi à moi, Glu-Glu. Écartez-vous, Glu-Glu, Mégamus. Ninja Zouave, montez sur la statue. Je veux que vous la rendiez encore plus lourde. Ça, hein? C'est pour moi, merci. Aïe. Je sais comment la réparer. Même si ma sculpture est détruite, je peux encore sauver celle de Ninjaka et les œuvres d'art de nos amis. C'est l'heure d'être un vrai héros. Moi, je m'occupe de Ninjaka. Toi, tu te charges de sortir les œuvres d'art du musée. Yo-Yo, rapido! Hé, qu'est-ce que tu fais avec maman? Tu accepterais de me la prêter, Ninjaka, pour me prêter ma porte? Elle est bonne, hein? Elle va pas pouvoir tenir prêt. Bibou, tornado!
prends une. Tu l'as dit, tête de tétard. Ma statue a été sauvée de justesse. Maintenant, retour au point de départ. À mon plan, voler toutes les œuvres du musée et me débarrasser des horreurs. Non, trop tard, Ninjaka. Ton plan tombe à l'eau. Eh oui, tout est sorti du musée et mis en lieu sûr. Quoi? Alors je vais devoir passer toute la nuit à essayer de les retrouver? Tout ce temps perdu pour quelques dessins de gamins. Oh, tu ne pourrais pas simplement profiter de ta belle statue? C'est vrai que si je la ramène chez moi, je pourrais m'admirer en permanence. Le rêve absolu. Je pourrais me regarder 24 heures sur 24. Bien, on l'emporte, les ninjas ouaves. Yo-yo, attention! Méga muscle! Ah, Ninjaka qui chante! Ça va tomber, ça va tomber! Glu-glu, rate-t-il en camouflage? Quoi? Venez les ninjas ouaves, voyons si l'acoustique est meilleure dans notre salle. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pensé au concert et tout à coup, mes jambes sont devenues toutes flagada. C'est pas grave, Yo-Yo, mais il va quand même falloir qu'on récupère ces instruments. Je sais que le concert compte vraiment pour vous deux, alors j'ai un autre plan. D'abord, Bibou et moi, on va distraire Ninjaka en faisant semblant d'être des fans de lui. Popstar, popstar, popstar! Je suis la plus grande popstar! Hein? Un orchestre fait pour être entendu, pas vu! C'était énorme, Ninjaka! Ta voix est carrément géniale! Ah, vous reconnaissez enfin mon talent! Oh, on est tes plus grands fans! Vous savez, je ne sais pas faire que chanter. Je suis aussi un grand danseur. Regardez un peu ma choré. Oh, tu serais le meilleur de l'école si tu jouais dans notre concert. Oh, le concert! Non! Wow! T'as vraiment complètement détraqué mon reptilo camouflage! Quoi? Tout va bien! Glu-Glu aussi est fan de toi! Oh! Bien, bien, bien! Un lézard disco! Ça fera bien dans le décor pendant le show! L'effet boule à facettes! Ça mettra le chanteur en valeur! Popstar, popstar, popstar! Hey! Où est-ce qu'ils sont tous passés? Yo-Yo à la rescousse! Yo-Yo, fais quelque chose! Oh non! Décolle, décolle! C'est ce que j'essaye de faire! Où ils sont? Là! Ils sont trop loin! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piqué! Et pour tout, en fait! Je lui arrive pas à la cheville! Attends! Où est-ce que tu vas? Je rentre au QG! Vous serez bien plus efficace sans moi! Non, c'est pas vrai! On a besoin de toi! Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou! On a confiance en toi! Ça me fait plaisir d'entendre ça! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville! Quoi? Je vous ai manqué, les Super Zéro! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin! T'as entendu, Bibou? Il se dirige droit sur nous! Donc, peut-être qu'on devrait se cacher derrière le QG et les prendre par surprise! Oui, d'accord, suivez-moi alors! Il se rapproche! Oh non! Revenez! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG. Pendant que ces pigeonnouilles continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leur astro-hibou une bonne fois pour toutes. Yo-Yo, vire à gauche! Non, je voulais dire à droite! Faites demi-tour! Autres enfants, pas pour les méchants. Wow! Wow! Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Wow! Oh,
Jazwaves sont costauds maintenant. Oui, ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi. J'ai dit bientôt. Pour le moment, en direction le nouveau camp d'entraînement. Tourneur de page. Bien essayé, Glu-Glu. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'y mette tous. Non, pas la peine. Ces ninjazouaves sont des minus. Je suis plus fort qu'eux à moi tout seul. Allez, venez. Arrivent, je les prends au piège. Ça doit peut-être pouvoir marcher. Bien sûr que ça va marcher, grâce à ma super méga force, vous allez voir. T'es sûr que tu ne veux pas un coup de main? Non, ça ira. Moi et mes méga muscles, on n'a pas besoin d'aide pour assurer. Restez là et admirez ça. Vous êtes presque prêts à pouvoir vous entraîner contre moi.